Bonsoir à tous. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci à la DCK et au Centre culturel Djibahou de me donner l'opportunité de vous parler de mes travaux de recherche. Avant toute chose, je voudrais saluer avec respect et humilité les clans et les maîtres des lieux du pays Djoubéa. C'est un honneur, mais c'est aussi très symbolique pour moi de donner cette conférence ce soir dans ce haut lieu de la culture kanak. Je voudrais vous parler de développement durable et de la situation des pays océaniens. Alors, vous vous doutez, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous délivrer. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui sont un peu dépressives, je pense qu'il vaut mieux qu'elles s'abstiennent. Hein Envisager une soirée plus sympathique, joviale, avec des amis, ça me semble une bonne idée, globalement. Bon, je ne plaisante qu'à moitié, hein, mais pour commencer, permettez-moi de brièvement me présenter et surtout de présenter le parcours intellectuel qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je suis née à Gap, dans le sud-est de la France. Une petite ville à mi-chemin entre Grenoble et Marseille, au cœur des Alpes enneigées. Enfin, de moins en moins, à vrai dire. Puis j'ai initié mes études en économie à l'Université de la Méditerranée, à Aix-en-Provence, non loin de Marseille. Certains reconnaîtront peut-être parmi vous le cours Mirabeau. Je m'y suis spécialisée en économie internationale et en économie industrielle. À partir d'un premier travail sur la dette des pays dits en développement, j'ai affiné ce qui deviendra mon sujet de doctorat, l'efficacité de l'aide au développement dans les pays d'Asie de l'Est. Pourquoi l'Asie de l'Est Parce que c'est l'une des rares régions du monde qui a rattrapé son retard sur l'Occident industriel une grande partie de mes recherches a été menée au japon qui est le principal donateur d'aide au développement dans ces pays et j'ai ainsi eu la chance d'étudier quatre ans à l'université des totsubashi à tokyo. mais surtout à partir du japon nous avons eu l'opportunité de voyager dans de nombreux pays asiatiques et de réaliser sur le terrain ce que l'entreprise du développement signifie au delà de la dimension strictement économique. Au Vietnam, en Malaisie, en Thaïlande, en Inde ou ailleurs, j'ai pu observer les dégradations sociales et environnementales associées aux projets de développement de nombreux projets. D'ailleurs, plusieurs programmes d'assistance japonaise ont fait l'objet de très vives protestations de la part de populations locales, notamment des projets de gros barrages hydroélectriques qui provoquaient des déplacements massifs de population. Au-delà, le délitement des liens sociaux liés aussi au phénomène d'exode rural, les impacts surtout environnementaux désastreux et les pollutions massives associées au processus d'urbanisation et d'industrialisation. Et tout cela, eh bien, ça m'a progressivement amené à interroger le concept même de développement. Après un conseil séjour à l'Université nationale australienne à Canberra, j'arrive sur le caillou à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en 2007. Et ça fait donc à peu près un peu plus de dix ans maintenant que je travaille sur ces problématiques de développement durable. Et je vais vous livrer ici quelques résultats. Mais rappelez-moi, permettez-moi d'abord de rappeler un peu le contexte, un contexte qui est actuellement caractérisé par deux faits marquants. D'une part, l'urgence face à l'ampleur des dégradations sociales et environnementales irréversibles en cours. Les dégradations sociales concernent alors que le niveau de richesse produite n'a jamais été aussi élevé l'explosion des inégalités à la fois entre les pays, mais aussi au sein de chaque pays, la persistance d'une pauvreté, d'un chômage de masse, l'effondrement des systèmes de protection sociale, la perte de diversité culturelle, le délitement des liens sociaux, et l'on ne peut guère se targuer d'avoir réussi à éradiquer la traite d'êtres humains, l'esclavage ou encore... Les pires formes de travail des enfants, comme en attestent les différents rapports du Bureau international du travail. Ça concerne aussi cette détresse psychologique d'individus qui sont tous soumis aujourd'hui à la concurrence généralisée. Du point de vue environnemental, je vous épargne pour l'instant la, long, la longue liste des indicateurs qui sont au rouge, mais ils auront l'occasion d'y revenir. Mais la rapidité des changements globaux dépasse très largement les estimations les plus pessimistes. Alors, face à cette urgence, eh bien, on ne peut que déplorer l'inertie des modes de production et de consommation. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter au-delà des projections les plus pessimistes. Les énergies fossiles représentent toujours l'essentiel du mix énergétique. Force est également de constater la maigreur des alternatives proposées. À peine suggère-t-on de réorienter légèrement le système économique en verdissant la croissance. Alors même que tous les instruments qui ont été mis en œuvre depuis plusieurs décennies se sont avérés incapables de freiner la surexploitation de l'homme et de la nature. Pourtant, pour beaucoup, la solution est déjà toute trouvée. La mise en œuvre du développement durable. Un concept qui fait son apparition dans les ou onusiennes dans les années 70 et qui sera consacré par le célèbre rapport Brundtland en 1987. Il est défini comme un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Le problème, c'est que ce concept qui fait consensus, eh bien, en réalité, il est largement polysémique. Chacun y donne une signification différente et surtout très mal défini conceptuellement. Et c'est d'ailleurs bien ce flou. Qui a permis de rallier tous les membres de la très diversifiée commission Brundtland à l'époque. Parce qu'en fonction de la priorisation des enjeux, les préconisations en termes de stratégie de développement sont complètement différentes, comme nous avons le voir. Mais au préalable, rappelons que ce concept n'est pas nouveau. Tout au long de l'histoire, différents penseurs ont appelé à l'usage modéré des ressources naturelles, les philosophes de la nature chez les Grecs anciens, ou encore certains penseurs de l'économie politique classique, comme Malthus ou Ricardo. Ricardo qui, s'il n'entrevoyait pas de limite à la croissance de la production industrielle, avait fort bien compris que la production agricole, elle, serait forcément limitée, car liée à la fertilité des sols. Citons encore James Stuart Mill, qui, dès 1848, argumentait en faveur d'une transition volontaire à une économie stationnaire, c'est-à-dire qui cesse de croître. Il écrivait, je cite, les économistes n'ont pu manquer de voir plus ou moins distinctement que l'accroissement de la richesse n'est pas illimité, qu'à la fin de l'état progressif se trouve l'état stationnaire. Plus près de nous, dès la fin des années 1960, de nombreux scientifiques sonnaient l'alarme. L'intégration des préoccupations environnementales aux, préca... aux préoccupations liées au développement économique Commence véritablement à être perçu comme un enjeu majeur à l'échelle internationale. Alors, la liste de ces lanceurs d'alerte n'est pas exhaustive, mais on peut citer notamment Nicolas Georges Kourogen, mathématicien et économiste américain d'origine roumaine, qui analysait les implications des principes de la thermodynamique. Cette branche de la physique qui étudie les relations entre les phénomènes thermiques thermique, et mécaniques. Et donc, il a analysé les implications de ces développements scientifiques pour l'analyse économique. Et ses travaux l'ont à conclure qu'une société industrielle se heurte à une accessibilité décroissante de la matière énergie dont elle a besoin. Alors si sa pensée se démarque nettement de l'idéologie marxiste, on retrouve quand même l'idée avancée par Rosa Luxembourg selon laquelle le capitalisme épuise les ressources nécessaires à sa perpétuation. Dans son mouvement expansionniste, il engloutit le milieu indispensable à sa propre survie. Le Club de Rome publie en 1972 un rapport intitulé The Limits to Growth, halte à la croissance, dit rapport Meadows, dans lequel le développement économique est présenté comme incompatible avec la protection de la planète à long terme. Les auteurs affirmaient qu'une croissance d'une économie au taux de 5% par an ne pouvait que rapidement rencontrer des risques de pénurie de ressources naturelles. Notamment par épuisement des énergies fossiles et autres minerais non renouvelables. Mais cette pénurie n'est pas le seul danger auquel l'humanité serait confrontée. Les auteurs poursuivaient en pointant du doigt les diverses pollutions engendrées par une industrialisation et une urbanisation massive. Et ils concluaient en préconisant une croissance zéro, ce qui a fait presque scandale à l'époque et qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses critiques et objections. alors pour la petite histoire hein, on sait qu'aujourd'hui qu'à la même époque les grandes compagnies pétrolières comme total <coughs> étaient déjà alertées des conséquences de l'exploitation du pétrole sur le changement climatique et qu'elles ont délibérément enterré ces rapports pour pouvoir continuer tranquillement leur activité. En France, René Passé, dans son ouvrage « L'économie qui est le vivant », mettait lui aussi en lumière les mutations irréversibles causées par notre système économique. Il remettait en cause le primat de l'économie sur toutes les autres dimensions, notamment de la vie sociale, et remettait aussi en cause l'économique comme critère ultime des grandes décisions publiques. Aujourd'hui, quand on veut justifier un projet quelconque, on mettra en avant sa contribution à la croissance du PIB ou encore à l'emploi salarié. Bref, l'économiste est devenu en quelque sorte la caution intellectuelle de la prise de décision. Le second rapport Midos de 1992, et quant à lui passé quasiment inaperçu, alors qu'il soulignait que nous étions déjà en train de dépasser les limites de la capacité de charge de la Terre. Depuis, nous célébrons tristement chaque année le fameux jour du dépassement, qui ne cesse d'être toujours plus précoce dans le calendrier. Mais arrêtons-nous un instant sur la dernière mise à jour du rapport Meadows, réalisé en 2004. Face aux nombreuses critiques émises à l'époque, l'équipe de chercheurs en sciences systémiques ont amélioré leur modèle et procédé à la mise à jour des données. Or, nous allons voir que la plupart de leurs prévisions se sont avérées exactes. Sur ce graphique sont représentées en très plein, un peu grisé ici, les tendances historiques du niveau de ressources renouvelables, de ressources alimentaires par tête, le niveau de population, des services, de la production industrielle et de la pollution globale. Ce sont toutes ces variables qui ont été intégrées dans leur modèle. En pointillé, ce sont les résultats des estimations réalisées dans le premier rapport de 1972. Elles correspondent malheureusement plutôt bien à l'évolution observée qui est représentée en très plein foncé. Le rapport prédit un effondrement économique suivi d'un effondrement de la population d'ici 2030. Dans la mise à jour de 2004, plusieurs scénarios sont construits en fonction notamment des stratégies politiques qui sont mises en œuvre. Cette fin de la croissance. Elle peut prendre différentes formes, de façon plus ou moins contrôlée. Aujourd'hui, on en est à peu près ici. Alors, face à ces multiples alertes, voyons à présent quelles solutions sont préconisées. La première approche, c'est une approche qui est exclusivement économique. Et qui s'inscrit dans la théorie économique standard, hein, dominante, c'est-à-dire néoclassique. Plus précisément, dans les courants de l'économie des ressources naturelles, de l'économie de l'environnement. C'est l'approche qui est portée par la majorité des experts et des décideurs, et qui est souvent représentée par ce schéma conventionnel du développement durable. À travers notamment l'hypothèse de substituabilité, entre la nature et le capital fabriqué par l'homme, les tenants d'une croissance verte font confiance dans le progrès technique pour pallier l'épuisement des ressources naturelles et faire face aux conséquences des pollutions massives. L'idée, c'est que finalement, ces problèmes ne sont que passagers. Et dans cette optique, la solution réside dans la poursuite du processus de croissance et dans l'extension de la logique marchande, avec par exemple l'idée que pour préserver les ressources naturelles, il faut qu'elles soient privatisées. Enfin, si elles sont surexploitées, c'est parce que finalement elles n'appartiennent à personne. Et donc il faudrait les privatiser, euh, créer des marchés, hein, leur donner un prix pour pouvoir euh, les protéger. La solution, c'est donc d'étendre la régulation par le marché, mais de façon pour le moins contradictoire, on voit bien que l'État reste incontournable pour mettre en place ces instruments dits incitatifs, c'est-à-dire de type taxe carbone, permis d'émission négociable, comme ça a été le cas dans le cadre du protocole de Kyoto. Or, pour beaucoup, la croissance n'est pas la solution, c'est le problème. Ce que Kenneth Boulding, un économiste, théoricien des systèmes, lui aussi est philosophe, nous rappelait sous la forme d'une boutade bien connue. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou ou un économiste. En effet, plusieurs caractéristiques du capital naturel impliquent que certaines formes de ce capital doivent être préservées. En particulier, deux aspects essentiels qui fondent sa singularité. En premier lieu, la provision des fonctions de soutien fondamental à la vie, qu'elles soient humaines ou non. Et ça, ça confère au capital naturel une valeur inestimable. Deuxièmement, c'est l'irréversibilité de la destruction. Il en est ainsi de la perte de biodiversité ou du changement climatique. Et il ne faut pas confondre progrès technique, hein, qui va nous permettre par exemple de réduire la quantité de ressources nécessaires à la production, et substituabilité des capitaux. Hein, ça veut dire quoi Substituer du capital naturel par du capital fabriqué par l'homme, hein, ça implique de remplacer la ressource naturelle par du capital fabriqué. C'est-à-dire de considérer finalement que le progrès technique nous permettra de fabriquer artificiellement tous les éléments nécessaires, essentiels à la vie. Est-ce possible Et quand bien même ça serait possible, est-ce souhaitable Quoi qu'en dise le mythe du découplage de la croissance hein, C'est ça dont on parle quand on parle. De découplage de la croissance. L'idée, c'est que la production économique pourrait s'affranchir progressivement de sa dépendance au flux de matière. De la sorte, espère-t-on, hein, l'économie va pouvoir continuer à croître sans enfreindre les limites écologiques ou tomber à court de ressources. Et de ce point de vue, sur la question du découplage, il est crucial de faire la distinction entre découplage relatif et découplage absolu. Le découplage relatif, ça consiste à faire plus avec moins. On va produire plus de biens et de services avec moins de ressources, moins d'émissions. En quelque sorte, ça signifie être plus efficace. Donc, dans une telle situation, les impacts sur les ressources baissent par rapport au pib, mais ils ne déclinent pas nécessairement en termes absolus. et donc, d'un point de vue relatif, comme on va le voir sur ce graphique, il y a eu effectivement des progrès assez significatifs depuis 1975. Mais pour que l'activité reste contenue à l'intérieur des limites écologiques et qu'on parvienne notamment à respecter les objectifs climatiques, c'est de découplage absolu dont nous avons besoin. C'est-à-dire une situation dans laquelle les impacts sur les ressources baissent en termes absolus. Et de ce point de vue, eh bien, la situation, elle est beaucoup moins réjouissante, comme vous pouvez le voir que ce soit du point de vue de l'évolution de la consommation de combustibles fossiles du PIB ou que ce soit du point de vue de la consommation directe de matières premières comme on le voit ici dans certains pays de l'OCDE. Et la raison eh bien elle tient à l'existence d'effets rebonds. On parle aussi du paradoxe de Jevons. C'est-à-dire L'introduction d'une technologie plus efficace dans l'utilisation d'une ressource, eh bien, in fine, ça augmente la consommation de cette ressource au lieu de la diminuer. Or, nos ressources s'épuisent et nous nous approchons de ce que Heinberg appelle le pic de tout. En particulier, beaucoup s'accordent à dire que nous avons dépassé le pic de la courbe de production de pétrole conventionnel et que l'ère du pétrole, pardon, que l'air du pétrole conventionnel est bientôt révolue, or tous nos systèmes de production et de consommation, y compris les transports, les communications, restent entièrement dépendants des énergies fossiles. Pour toutes ces raisons, vous comprenez bien qu'une telle approche n'est simplement pas tenable. C'est pourquoi, aux côtés des tenants de la croissance verte, il y a une deuxième grande approche que les économistes appellent l'approche forte de la durabilité. Elle se caractérise par la volonté justement de prendre en compte la spécificité des phénomènes environnementaux et l'existence de contraintes écologiques absolues. Ça signifie, comme on le voit sur ce schéma, que le développement économique, il devrait être soumis au développement social, à des objectifs sociaux, et cette sphère sociale elle-même hein, doit être soumise au maintien de la biosphère. Et la spécificité du concept fort de développement durable, c'est alors de rechercher un équilibre entre ces trois composantes et non un optimum global. Alors au sein de cette approche, on trouve plusieurs courants. Il y en a certains qui sont finalement plus proches de ce que l'on vient de présenter, l'approche en termes de croissance verte, par exemple toutes les théories du capital naturel critique. Donc, qui admettent hein, qu'il ben, y a des seuils au-delà desquels on ne doit pas aller dans l'exploitation du capital naturel. Mais euh, outre la difficulté d'identifier précisément ces seuils critiques, euh, se pose aussi euh, la question de l'évaluation monétaire du capital naturel qui est faite dans cette approche. D'autres, par contre, entendent s'en détacher beaucoup plus nettement. C'est le cas, par exemple, de l'économie écologique qui va s'attacher justement à prendre en compte la dimension biophysique des activités économiques. Mais donc, on essaye de faire une synthèse, d'opérer une synthèse entre l'économie et l'écologie. Ce sont des travaux qui se nourrissent des apports d'une part de la science thermodynamique et en particulier de, du second principe de la thermodynamique, le principe de l'entropie ou principe de dégradation, qui établit que tout phénomène qui implique une transformation de l'énergie ne peut se produire sans dégradation de l'énergie. Un exemple qui est souvent donné pour expliquer ce concept un peu complexe c'est l'exemple d'un morceau de charbon hein, qui est initialement avant qu'on l'utilise dans un état de basse entropie et puis on va le brûler, l'utiliser pour en dégager de l'énergie et ensuite ce qu'on récupère eh bien c'est de la haute entropie c'est une matière qui n'est plus réutilisable une énergie à la qualité de l'énergie euh, est différente. Donc ça c'est le premier rapport Le deuxième, c'est la science systémique qui repose sur l'idée que le monde autour de nous, il est tellement complexe qu'on ne peut pas l'appréhender convenablement à travers une seule grille de lecture disciplinaire, à travers une seule discipline. Et donc il faut croiser les approches et il faut privilégier la complexité, les interactions entre les différents éléments en intégrant aussi la durée et l'irréversibilité justement. Alors dans cette approche, la solution qui est préconisée, c'est d'essayer de, de ramener le système économique à une échelle qui soit compatible avec les limites et les régulations de la biosphère. Dali, par exemple, propose quelques règles de précaution minimales à respecter. Ne pas exploiter les ressources renouvelables au-delà de leur taux de régénération. Ne pas excéder les capacités d'assimilation et de recyclage des écosystèmes dans lesquels les déchets sont rejetés. Ou encore ne pas exploiter les ressources fossiles au-delà de leur capacité de substitution par des ressources renouvelables. Et pour cela, eh bien, il s'agit de mettre en place des institutions publiques qui soient capables de faire respecter des limites à l'exploitation de la nature par l'élaboration de règles, de réglementations, de normes. et tout cela, donc, dans la perspective, dans la recherche d'un état stationnaire. on est donc ici davantage dans l'optique d'une régulation publique, donc plutôt une approche juridique, plus normative. Une autre vision qui est relativement proche, mais qui est assez proche finalement de la croissance verte, c'est celle de l'écologie industrielle, alors qui est revenue ces dernières années sous l'expression d'économie circulaire dans laquelle finalement on va s'en remettre aux entreprises pour définir ces normes qui permettent le bouclage des flux et de la matière. Cette approche, qui est déjà beaucoup plus pertinente, elle semble elle aussi encore un peu trop optimiste. Rechercher les stations stationnaires, mais le problème c'est que nous avons déjà largement dépassé la capacité de charge de la Terre. Donc il n'est même plus possible de maintenir le système économique tel qu'il est actuellement. Ça aurait pu être fait si vraiment on avait mis en œuvre les politiques dès le début des années 80, qu'on avait mis en œuvre des politiques très ambitieuses. Optimisme excessif sans doute, par exemple, concernant les possibilités de recyclage de la matière. Ou encore les possibilités de substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Hein, comme on le voit sur ce schéma, pour de nombreux éléments, ah, je suis désolée, ce n'est pas super lisible. Pour de nombreux éléments, les taux de recyclage sont en réalité très faibles. Il y en a même pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas de possibilité de recyclage c'est le cas des terres rares, de l'uranium de l'antimoine ou, euh, ou encore de l'indium. Pour les autres, on est sur des taux à 16, 26, 43, 26, 35% de taux de recyclage. Le, le, le mieux qu'on puisse faire actuellement, c'est sur le plomb, on est à 72%. Sans oublier que ces activités de recyclage, elles sont elles-mêmes... Très consommatrice d'énergie. Et surtout, nous avons largement dépassé les limites de la planète. Ces schémas montrent l'état actuel des variables de contrôle pour sept des limites planétaires. <laughs> la zone verte, c'est l'espace de fonctionnement sûr. Le orange clair représente la zone d'incertitude. Avec un risque croissant. Et le orange foncé est une zone à haut risque. La frontière, donc, elle est représentée par le pointillé à la frontière à l'intersection des zones vertes et orange clair. Les processus pour lesquels on n'a pas pu évaluer encore ces frontières, on n'a pas pu le quantifier, sont reportés en gris. Alors les travaux de Stephen et d'autres auteurs de 2015 montraient en fait essayer d'alerter en montrant que ben, nous avions tort de nous focaliser uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2, car les dégâts sur la biodiversité et les perturbations des cycles du phosphore et de l'azote. Ils ont d'ores et déjà atteint des seuils critiques pour la viabilité future de nos sociétés. En janvier 2022, cette année, personne et d'autres scientifiques, 14 scientifiques en tout, concluaient que l'humanité avait à nouveau dépassé une nouvelle frontière planétaire liée aux polluants environnementaux et à d'autres nouvelles entités. Euh, en particulier euh, les plastiques. On pourrait aussi parler de la crise de l'eau qui pourrait rendre la planète invivable beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais je vous invite pour cela à regarder l'interview d'Emma Aziza, <coughs> une hydrologue sur la chaîne internet Thinkerview qui fait euh, froid dans le dos. Alors vous comprenez bien que pour toutes ces raisons notre système économique, il n'a d'autre choix que de décroître. Reste à savoir si cette décroissance sera maîtrisée ou subie. Et le dernier courant de pensée assez hétérogène, eh bien, il regroupe les tenants d'un autre développement. C'est ce qu'on appelle le courant de l'après-développement. Alors sans rentrer trop dans les détails, on y trouve le concept d'éco-développement qui avait été développé à l'époque par Ignacy Sachs dès 1972, qui met au centre de l'analyse les questions d'équité sociale, de démocratisation, d'autonomisation des décisions. On peut citer aussi le, goût, le courant de la répartition environnementale, de l'échange inégal, qui lui met l'accent sur des échanges écologiquement inégaux entre les pays développés et les pays en développement. À cet égard, il faut bien comprendre qu'une bonne partie des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés hein, proviennent du fait qu'on a tout simplement délocalisé. Les productions les plus polluantes dans les pays en développement. Enfin, il y a le courant des tenants de la décroissance et de la convivialité. Le concept de décroissance est un concept d'ailleurs qui est souvent très mal appréhendé. On devrait plutôt, c'est un slogan politique, hein, mais. Parfois, ça nuit à la compréhension de ce qui est proposé. On devrait plutôt parler finalement d'accroissance, hein, une société sans croissance. Donc ce sont des travaux, vous l'avez compris, qui, au-delà des questions environnementales, mettent davantage l'accent sur les questions sociales et en particulier sur les questions d'inégalité, qui ne sont pas sans lien avec les problématiques environnementales. Au-delà de la diversité de ces travaux, leur point commun, c'est de considérer que la solution réside dans une profonde réorganisation des modes de production et de consommation. Bref, d'une sortie du système capitaliste. Alors attention tout de suite, ça fait peur, les gros mots, sortie du système capitaliste. Euh, ça ne veut pas dire que on ne va pas... Euh, euh, continuer à utiliser des institutions comme euh, la monnaie euh, ou autres ça veut dire simplement que euh, ces institutions on va les réenchasser dans une logique euh, dans une, une logique euh, d'utilité sociale c'est ça l'idée Des chercheurs comme André Gorz ou euh, Ivan Illich préconisaient L'avènement d'une société où les besoins matériels et le temps de travail sont réduits, mais où la vie sociale est plus riche, car plus conviviale. Concrètement, ça consiste à relocaliser l'économie en privilégiant les circuits courts de privilégier toujours l'utilité sociale des projets en lieu et place de leur rentabilité économique. Et d'orienter ces projets sur la satisfaction des besoins essentiels des hommes et des femmes. De rechercher des innovations qui soient peu consommatrices à la fois de matière et d'énergie, qui permettent de respecter les cycles de la biosphère. Le low-tech, ça ne signifie pas revenir à la chandelle, hein, comme certains veulent bien le, 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 le dire. On a aujourd'hui les connaissances qui nous permettent tout à fait d'envisager hein, des, des innovations euh, permettant euh, d'améliorer le bien-être tout en respectant euh, les cycles de la biosphère. C'est dans cette mouvance qu'on retrouve sans doute hein, une partie euh, des collapsologues. Mais qui sont-ils, ces collapsologues la collapsologie, ça fait référence à un courant de pensée transdisciplinaire qui allie l'économie, l'écologie, l'anthropologie, l'histoire, l'agronomie et qui étudie l'hypothèse d'un effondrement imminent de notre civilisation thermo-industrielle. Qu'entend-on exactement par effondrement Voici la définition qu'en donne Yves Cochet. L'effondrement, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, ne seront plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. En réalité, il s'agit ici aussi d'une thèse assez ancienne qui trouve plusieurs sources parfois des sources plutôt religieuses ou séculières sur l'idée de la fin des temps, l'apocalypse, ce, ce qui ne manque pas d'ailleurs de prêter le flanc du coup, à, à la critique et de décrédibiliser un petit peu ces thèses. Mais aujourd'hui, ce sont surtout des travaux scientifiques qui viennent nourrir ces thèses. Tout d'abord, un certain nombre d'études historiques et anthropologiques sur les effondrements culturels. On pourra citer les travaux de Tainter, 1988, qui montrent qu'une société de plus en plus complexe, eh bien, elle finit par s'effondrer en raison de la difficulté toujours croissante à résoudre les problèmes. Ou encore les travaux très débattus de l'anthropologue Jared Diamond. Ce sont aussi et surtout un nombre croissant de travaux toujours plus étayés sur la dynamique des systèmes dans la lignée du rapport Midos ou qui mobilisent les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de la thermodynamique non linéaire de non équilibre. Cette thèse de l'effondrement elle a été popularisée notamment par Pablo Servigne et Raphaël Stevens avec leur ouvrage Comment tout peut s'effondrer mais aussi des gens comme Gaël Giraud, ancien économiste en chef de l'Agence française de développement ou encore Jean-Marc Jankovici, ingénieur issu de l'école des mines qui fait beaucoup parler de lui notamment pour son shift project ce plan de transformation de l'économie française Arrêtons-nous un instant ici sur par exemple sur les travaux de Charré et d'autres auteurs. En 2014 ces chercheurs d'un centre de la NASA ont utilisé un modèle prédateur proie qui prend en compte les inégalités économiques pour simuler la dynamique de l'homme et de la nature. Et aussi, ils nous alertent sur la possible disparition de notre civilisation dans les 40 à 60 années à venir. Donc ils ont analysé de très nombreux exemples d'effondrement de civilisation sur les 5000 dernières années. Et deux paramètres reviennent systématiquement comme cause majeure de ces disparitions. En premier lieu, l'aveuglement de la classe dirigeante, notamment en raison de l'effet des tampons liés à la richesse, une richesse qu'on ne veut surtout pas perdre, qu'on ne veut pas renoncer à ses privilèges. Le deuxième élément, c'est la rareté des ressources. Naturelles causées par leur surconsommation. Et donc les auteurs montrent que dans une société relativement inégalitaire mais sobre en consommation de ressources, ce n'est pas l'épuisement des ressources mais c'est finalement l'épuisement du peuple qui cause l'effondrement. Autrement dit, la population s'épuise plus vite que la nature. Selon les chercheurs, c'était le cas par exemple des Mayas où la nature a récupéré après l'effondrement de la population. Donc même si une société elle est globalement soutenable, même si une petite élite euh, surconsomme, eh bien, ça mène irrémédiablement à son déclin. Dans le cas d'une société très inégalitaire, qui consomme beaucoup de ressources, comme c'est notre cas actuellement, le résultat c'est le même, mais la dynamique est inverse. C'est-à-dire que c'est la nature qui va s'épuiser plus vite que le peuple, ce qui rend l'effondrement à la fois rapide et euh, irréversible. Et ce serait typiquement le cas de l'île de Pâques ou de la Mésopotamie, où l'environnement est resté durablement épuisé après la, la disparition des civilisations. Et l'effondrement du vivant, effectivement, euh, il s'accélère, puisque, comme vous le savez peut-être, nous vivons actuellement la sixième extinction de masse du vivant. Et jusqu'ici, force est de constater que ni la régulation communautaire, largement malmenée par l'entreprise du développement, ni l'État, ni le marché n'ont été capables de résoudre ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et pour comprendre l'inertie des modes de production et de consommation, plusieurs éléments peuvent être mis en avant. Les verrouillages sont à la fois d'ordre systémique, au niveau socio-technique, le fait que tous nos processus de production, toutes nos infrastructures soient intrinsèquement dépendantes des énergies fossiles. En quelque sorte, on est coincé dans les choix technologiques de nos ancêtres. Mais ces verrouillages, ils sont aussi à rechercher au niveau institutionnel et politique, notamment dans la question de l'affectation des fonds publics pour les alternatives. Et ils sont aussi d'ordre économique, avec l'argent-dette ce système de prêt à crédit finalement qui crée l'impératif de croissance. Mais les verrouillages, ils sont aussi d'ordre individuel et collectif. Ils sont d'ordre cognitif parce qu'on a on a une difficulté finalement à imaginer ce que pourrait être un système économique qui ne croit pas sans croissance. Cette idée de la croissance, elle est tellement ancrée dans nos cerveaux qu'on ne peut même plus concevoir finalement un autre système économique. Le verrouillage, il est aussi cognitif du point de vue de la perception du danger. Hein, ce danger, on ne le perçoit pas ou très peu, il est tellement lointain. Hein oui, bon, il fait un peu plus chaud, pas non plus. On a du mal à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et puis, ce sont aussi nos comportements, nos habitudes de consommation qu'il faut remettre en cause. Or, on le sait, on a tous une grande réticence face au changement. Aussi, on peut dire effectivement que notre ressource la plus puissante, c'est sans doute le déni, hein, le déni dans lequel on est face à, à la catastrophe. Et ça tient aussi beaucoup à nos systèmes de valeurs, à notre vision du monde et à la façon justement dont l'homme se perçoit dans, dans ce monde. Malgré ces freins, nombreux, il est toujours possible de réorienter la machine économique si on en a véritablement la volonté politique. Cela passe notamment par la réduction des inégalités. Il s'agit de résoudre les problèmes de distribution des richesses en adoptant un modèle de société plus juste, en réduisant radicalement les inégalités. Il faut bien comprendre que les classes dirigeantes ne désirent pas modifier les équilibres actuels qui leur sont financièrement favorables. C'est ce que Galbraith appelait la culture du contentement. Il est donc très peu probable qu'elles agissent de façon volontariste, à moins qu'elles ne comprennent que le développement, l'accroissement de leur propre richesse, à un moment donné, va dépendre de leur capacité à rééquilibrer un petit peu le partage de la valeur. Comme l'ont souligné de nombreuses études, c'est bien l'aveuglement des classes dirigeantes et l'impuissance des politiques face à la dictature des marchés qui risquent de nous conduire à la catastrophe. Car l'effondrement de nos systèmes démocratiques, il est, lui, déjà passablement amorcé, comme en témoigne l'émergence des concepts de démocrature ou de post démocratie. Que l'on doit au politologue américain Colin Crouch. Qu'est-ce que c'est la post-démocratie C'est un régime dans lequel les citoyens, le peuple, n'a plus la place qui lui revient. Parce que les décisions, elles sont prises ailleurs, par d'autres, des lobbies, des grandes entreprises transnationales, hein, qui aujourd'hui sont devenues les nouveaux maîtres du monde ou encore les organisations supranationales, comme l'Union européenne. Dans un monde hyper connecté, cette croissance de l'information, est-ce qu'elle va permettre réellement de générer cette prise de conscience Ou bien à l'inverse, est-ce qu'elle va conduire à une perte de conscience, une perte d'esprit critique d'individus qui sont soumis à la concurrence généralisée et voués à la consommation de masse. La structure oligopolistique du marché des médias, notamment un oligopole, c'est un gros mot qui signifie simplement que c'est un marché sur lequel on a quelques producteurs face à une multitude de vendeurs. Quelques producteurs seulement qui font le prix, qui ont un pouvoir de marché et qui l'imposent. bien, cette structure oligopolistique du marché des médias et son impact sur la production d'informations indépendantes et le pluralisme de la pensée fait débat. Pour trier cette information surabondante, c'est aussi cultiver l'esprit critique qui est nécessaire. Dans le monde universitaire aussi, on subit cette pensée unique. Et le pluralisme de la pensée, c'est toujours un vain mot, comme en témoignent les dissensions au sein de notre discipline, l'économie, hein, au niveau du Conseil national des universités, par exemple. Il est donc impératif de renforcer les contre-pouvoirs dans nos sociétés. De façon plus générale, la puissance publique devrait jouer un rôle de catalyseur dans cette transformation, le rôle d'un État stratège qui réaffirme l'utilité sociale du bien public, le bien commun, à travers de nouveaux modèles de gouvernance. Nous y reviendrons et comme nous le rappelait albert einstein si nous ne changeons pas notre façon de penser nous ne serons pas capables de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée. donc pour changer de système économique il faut changer notre façon de penser ce système et d'amorcer la transition des sciences économiques à la bioéconomie. Mais ça, c'est un autre programme qui mériterait une conférence à part entière. Alors, et l'Océanie dans tout ça L'Océanie qui, comme vous le savez, est reconnue comme la région du monde la plus vulnérable face aux changements globaux. De ce qui précède, on déduira simplement des principes méthodologiques, des outils d'analyse qui nous permettent de mieux penser les progrès de la, des sociétés. Mais il ne saurait y avoir une recette unique de développement durable à appliquer en, en tout lieu. Le développement, c'est quoi d'ailleurs le développement Disons-le, le développement du système capitaliste c'est un processus qui est historiquement et culturellement situé et qu'on a voulu à tort imposer en tout lieu sur la planète, alors même qu'il n'est pas généralisable à l'ensemble de la planète et qu'il est passablement destructeur. Le contenu même du développement, il devrait être dicté par les visions des populations, par les besoins des gens des visions inhérentes à chaque société en fonction de son histoire, de ses valeurs. Enfin, si on souhaitait néanmoins formuler quelques recommandations, quelles seraient-elles dans le cas des pays d'Océanie pour, ce, pour cela, je souhaiterais repartir des recommandations que nous avions émises en 2013 lors d'un colloque organisé avec l'association Agora SHSNC, SHS pour Sciences humaines et sociales. Dans le prolongement des ateliers qui s'étaient tenus à Poinsimiers en 2009, le thème de ce colloque qui s'était tenu à Conné s'intitulait Le développement durable en Océanie vers une éthique nouvelle il a donné lieu donc à un ouvrage collectif coédité avec mes amis karine et victor david, dans lesquels les participants au colloque ont consensuellement émis quelques pistes de réflexion. nous mettions en avant l'importance pour mettre en œuvre de véritables stratégies de développement durable de privilégier la dimension éthique du développement. et cela implique de reconnaître les valeurs et les règles morales propres aux cultures océaniennes, en particulier ces relations spécifiques entre l'homme et la nature. Ce sont ces règles et ces valeurs qui devraient constituer le fondement de stratégies de développement endogènes qui viennent de l'intérieur, en lieu et place, de, la transposition actuelle du modèle de développement occidental. Or finalement, très peu d'initiatives vont véritablement dans ce sens. Dans cette optique, 20 propositions avaient été formulées orientées autour de trois axes. Alors je ne redévelopperai ici que celles qui me semblent les plus importantes. Le, le premier axe, vise à refonder ces systèmes de valeurs. Un système de valeurs aujourd'hui un petit peu dévoyé, dans lequel on valorise beaucoup trop sans doute la cupidité, la faim justifie les moyens. Et cela passe notamment par le fait de réaffirmer le droit de chaque individu et de chaque peuple à la protection de sa culture, au respect de ses valeurs et de ses croyances. Bref, de faire de la liberté culturelle véritablement une place équivalente aux autres libertés fondamentales. L'idée, c'est justement de laisser d'autres visions du monde s'exprimer en particulier celles qui ont encore ce lien très fort avec la nature que nous avons perdu dans nos sociétés industrielles. Et la perte de ce lien avec la nature, c'est aussi une source de mal-être pour les individus. Ce lien spécifique des hommes à la Terre, il invitait selon nous à repenser cette notion de propriété comme on a pu le faire en Nouvelle-Calédonie, par exemple, à, à travers le statut spécifique des terres coutumières. Mais il y a encore beaucoup à faire hein, dans, ce, dans ce domaine. Il s'agit d'affirmer le bien-être et le bonheur de l'homme comme objectif ultime du développement. Et pour cela, l'éducation, la formation doivent constituer une priorité. Mais là encore, l'éducation, la formation doivent être repensées. Ici aussi, on a tendance à faire un peu trop de copier-coller avec des modèles venus d'ailleurs. Et puis, ça veut dire surtout élaborer, mettre en place des, des projets de développement à partir des besoins des gens, en s'intéressant à leur bien-être. Il faudrait qu'à un moment donné, on s'intéresse peut-être un peu moins aux revenus monétaires et un peu, trop, un peu plus, pardon, au bien-être des, des individus, qu'ils soient psychologiques ou mental. Et pour cela, faire par exemple de la santé un bien commun, en valorisant la médecine dite traditionnelle, en mettant en exergue sa complémentarité avec la médecine occidentale. Mais surtout, ce qui semble important, c'est de repenser les modèles économiques. En particulier, le système, tous ces modes d'échange parallèles, non marchands, cette économie non marchande. Il n'y a pas assez de débats finalement sur la place respective de l'économie domestique et de l'économie marchande. Et il paraît pourtant important de reconnaître l'économie non marchande comme contribuant significativement au bien-être. Non seulement ce sont des activités qui produisent de la valeur, qui ont une valeur marchande, mais surtout... Elles ont de façon encore plus importante un rôle social et culturel qui est fondamental. Et reconnaître cette économie domestique, ça implique en premier lieu d'être capable de l'appréhender, de la mesurer notamment. Le deuxième axe invite à repenser les modes d'action en favorisant par tous les moyens l'émergence d'une société de la connaissance en développant notamment la recherche, la culture scientifique. Les efforts de ce point de là ne sont pas à la hauteur des enjeux. Quand on regarde la part justement du PIB qui est attribuée à la recherche et développement sur les alternatives au système et aux technologies actuelles, c'est bien trop peu. C'est ridicule même. Favoriser les études transdisciplinaires alors même que le système actuel d'évaluation de la recherche ne valorise pas du tout ces travaux. Et puis, là, il y a aussi un peu d'autocritique à faire, sans doute, de la part des chercheurs. Essayer de créer plus de liens avec les, le monde politique, mais aussi et surtout avec les populations locales. De façon générale, il s'agit de lutter contre les vulnérabilités, les problèmes sociaux. On a déjà parlé des inégalités, mais nous avions également attiré l'attention sur la condition des femmes en Océanie et leur rôle dans la société comme facteur important de développement durable. De façon plus générale, il s'agit de mieux distribuer les richesses et en particulier les rentes issues de l'exploitation des ressources minières. Or, les politiques sociales, la politique sociale, c'est un peu le parent pauvre hein, des politiques publiques, même au niveau de la recherche d'ailleurs. Hein. Si on faisait une comparaison entre l'argent qui va à la recherche autour du nickel, et l'argent qui va à la recherche sur des problématiques sociétales, on serait assez consterné. Je n'ai pas des chiffres en tête, mais. Réduire les dépendances, on va y revenir. Favoriser des politiques publiques vertueuses, c'est-à-dire non seulement celles qui permettent une préservation de l'environnement, par exemple le développement des transports collectifs. Si on prend le cas de la Nouvelle-Calédonie, celui qui veut se passer de voiture aujourd'hui pour se déplacer, ben, faut il faut qu'il se lève tôt. Et il y a eu évidemment des progrès réalisés, mais enfin, la situation, elle est encore difficile. Davantage d'investissements, sans doute, aussi sont nécessaires dans la maîtrise de l'énergie. Ces politiques publiques vertueuses... Elle concerne aussi le développement d'activités dans le domaine de la culture, de l'économie de la culture par exemple. Et ce faisant, il s'agit de valoriser les savoirs locaux, de faire évoluer la législation aussi dans ce domaine qui permette de protéger les détenteurs de ces savoirs. Alors oui, il y a le brevet, mais il nous paraissait nécessaire euh, qu'il y ait une meilleure prise en compte des pratiques sociales collectives océaniennes. Et ça, ça appelle la création de mécanismes de protection de l'usage et de valorisation de ces savoirs traditionnels pour des détenteurs collectifs. Et j'en je, profite d'ailleurs pour rendre ici un. Un hommage à Didier Poitialiouane qui portait ce projet hein, d'une législation sur la protection des savoirs locaux en espérant mais, que quelqu'un prendra la relève et que ce projet pourra voir le jour, ce projet qui lui tenait tant à cœur. Une législation qui est aussi problématique même pour ceux qui tentent de valoriser la biodiversité endémique. Il s'agit de promouvoir des structures entrepreneuriales de type entreprise sociale ou de type coopératif et de promouvoir une gestion intégrée des ressources et des territoires. Mettre en œuvre non seulement des programmes d'aménagement, mais des programmes d'adaptation. Sur chaque territoire, dans chaque commune, on devrait déjà avoir des plans d'adaptation ambitieux qui essaye d'anticiper les risques, de prévenir les risques, de déjà trouver, d'anticiper sur les solutions à mettre en œuvre le jour où on a la catastrophe qui arrive, qu'elle soit climatique, qu'elle soit économique ou financière. Et pour cela, il convient de renouveler les outils. Alors il y avait beaucoup de juristes dans ce colloque qui mettaient en avant la nécessaire prise en compte du pluralisme juridique et de faire évoluer notamment la construction du droit international en valorisant les diverses exemples d'évolution juridique en Océanie. Au niveau des outils, nous mettions surtout l'accent sur la nécessité d'améliorer l'information des populations et de développer la participation, mais ça implique aussi de s'interroger sur les modalités de cette participation, notamment dans le milieu clanique, tribal. De façon plus générale, il s'agit de repenser les politiques d'aide au développement, on en a déjà parlé, mais pour cela, encore faudrait-il réviser les modèles de développement qui sont préconisés, les politiques d'aide au développement. On a un projet de recherche actuellement sur l'agriculture familiale qui s'appelle le projet FALA, financé par l'Union européenne avec tout un consortium de chercheurs au niveau international. Et donc, on a commencé à regarder un petit peu les projets d'aide dans le secteur de l'agriculture. Et on se rend compte que, voilà, on est toujours sur les mêmes fausses bonnes solutions, hein, où finalement on va financer des tonnes d'engrais, de pesticides en direction de ces pays qui vont encore un peu plus mettre à mal la fertilité des sols et finalement aggraver la situation. Il s'agit, on l'a évoqué tout à l'heure, de renforcer les contre-pouvoirs et en particulier les outils de contrôle et de lutte contre la corruption. Créer aussi des outils juridiques qui permettent une protection sans doute plus efficace de l'environnement. À l'instar, par exemple, du Code de l'environnement de la province des Îles, qui va jusqu'à reconnaître des droits à la nature, ou à travers la mise en œuvre de ce qu'on appelle le principe de non-régression, qui permet d'assurer une protection plus efficace de l'environnement. Mais surtout, il s'agit de revoir la conception, la collecte et l'utilisation d'indicateurs. Qu'est-ce que l'on mesure D'inventer de nouvelles mesures de la richesse ou d'utiliser en lieu et place, par exemple, du PIB, d'autres indicateurs de développement durable qui ont été développés depuis bien longtemps par les chercheurs, mais que personne ne mobilise. Tout le monde continue à nous parler du PIB et de la croissance. Et dans cette. Élaboration des indicateurs. On, il est aussi important de promouvoir les démarches de co-construction, comme on avait pu le faire justement à l'époque en province nord, où le fait d'élaborer de, de, avec les acteurs concernés des indicateurs de développement durable, mais ça permet justement aux gens d'échanger et de faire émerger une vision partagée du développement. C'est quoi le développement durable Qu'est-ce qu'on a envie de mesurer Qu'est-ce qu'on a envie de regarder C'est quoi euh, nos besoins Donc il y a un vrai euh, travail euh, à mener avec toujours euh, l'idée aussi hein, que s'il y a une nécessité de quantification, ça ne doit pas systématiquement aboutir à une monétarisation. Enfin, ce qui paraît pour le moins urgent dans la région, c'est de créer un statut de migrant écologique ou de déplacé environnemental permettant la prise en compte des victimes écologiques des catastrophes et du changement climatique. Avoir une institution internationale dotée de véritables moyens, euh, introduire un principe d'assistance environnementale qui prennent notamment en compte hein, cette question foncière, accueillant entre l'accueillant et l'accueilli. Et Mais surtout, deux axes de travail paraissent euh, urgents. Atteindre l'autonomie économique locale. Rappelons au passage hein, que l'autonomie ne signifie pas l'autarcie. Mais il est clair hein, que... Euh, la recherche de l'autosuffisance alimentaire apparaît comme une nécessité et que ça, ça implique de restructurer complètement les systèmes alimentaires. À quand des politiques publiques qui organisent, par exemple, la restauration collective de nos enfants pour faire en sorte qu'ils cessent de manger de la nourriture industrielle qui leur est néfaste en organisant justement hein, des systèmes de système alimentaires à l'échelle locale, à l'échelle communale. Il s'agit aussi et surtout de réduire les dépendances économiques pour garantir des systèmes de protection sociale et surtout rechercher l'autonomie énergétique. Car euh, on l'a bien vu avec la crise du Covid, hein, on est susceptible d'être soumis à des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement hein, de par euh, cette forte interdépendance, cette fragmentation de tous les tissus productifs à l'échelle internationale et notamment des, des circuits de distribution. Aujourd'hui, on est très vulnérable face à des, ce type de, de rupture. Et c'est d'ailleurs hein, dans la prévention de ces risques systémiques que l'on devrait véritablement mettre le paquet, en quelque sorte, si l'on peut dire, euh, des risques systémiques, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient économiques ou financiers. Et pour cela, il s'agit d'inventer la démocratie directe locale fondée sur l'intelligence collective, que les gens se réapproprient la politique, la culture, le sens de leur vie. Toute décision qui peut être prise à l'échelon local doit l'être. Et on doit inventer ainsi de nouvelles formes de démocratie. Ce qui est important, c'est la mise en œuvre de projets collectifs qui soient véritablement ancrés dans les territoires. voilà les pistes que l'on peut donner sachant encore une fois hein, qu'il n'y a pas de recette magique et qu'en fonction des rapports de force qui traversent les sociétés eh bien ces restructurations elles vont être évidemment plus ou moins difficiles. et pour terminer au cas où vous n'auriez pas tout à fait compris le message parce que ce genre d'information n'est que très peu relayé dans les media We are doing some business at JP Morgan Chase Bank, which out of all the banks in the world the one that has done the most to fund fossil fuel projects. This latest IPCC report made it very clear that current and planned fossil fuel infrastructure will take us significantly beyond Two times beyond the best estimate of what we can still emit and have a coin toss chance of staying under one and a half degrees of global warming. These banks, these institutions fund everything globally and locally. This is for the Wetson in Canada. This is for the tongue of people here. I'm here because scientists are not being listened to. I'm willing to take a risk for this gorgeous planet. <laughs> for my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists of the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. And we're not joking. We're not lying. We're not exaggerating. This is so bad, everyone. Um, that we're willing to take this risk, and more and more scientists and more and more people are going to start joining us. This is for all of the kids of the world, all the young people, all of the future people. This is so much bigger than any of us. And we are tired of being ignored. We've tried being unbiased. We've tried being silent. We have tried the policy game. We have tried celebrities, we have tried everything! Voilà, il faut savoir que ce type de manifestation se multiplie à travers le monde ces derniers mois. J'appelle tous ceux qui partagent notre désarroi et notre colère à nous unir et à nous engager dans des actes de désobéissance civile pour tenter de faire bouger les lignes, puisque tirer la sonnette d'alarme, visiblement, ne suffit plus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pour finir sur une note un peu plus positive, quand même, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique. misère, mais leur je prie encore, enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas, ils sont notre trésor, notre richesse, notre esprit.